Bonjour Monsieur Domnigue. Bonjour. Quelle est la philosophie de Intrum Justitia? Alors Intrum Justitia, pour nos clients qui sont les créanciers, c'est Better Business for All, ça veut dire faire du bon business avec des bonnes personnes ou des bonnes sociétés. Et par rapport aux débiteurs qui sont les clients de nos clients, c'est Fair Pay Please, vous avez voulu consommer, vous avez voulu acheter quelque chose, payer votre dû dans les bons termes. Quelque part, quand même, vous faites un très mauvais métier. Moi, je dirais qu'on fait un bon métier, parce que nous réinjectons 120 millions dans l'économie suisse. Donc, sans ce travail, il manquerait 120 millions à l'économie, et donc les PME qui ont déjà de la peine à tourner auraient encore plus de peine à tourner. Donc, grâce à nos actions, il y a plus de liquidité qui est dans l'économie. Concrètement, quelles sont vos actions? Deux actions principales. L'information commerciale avant de faire un business avec un client, et si jamais la facture n'est pas payée dans les 30 ou 60 jours, de faire le recouvrement de facture. Et ça, c'est la partie la plus difficile alors? C'est la partie la plus difficile, qui est scindée en deux, une partie à l'amiable et ensuite une partie juridique. Est-ce qu'il est possible, par exemple, que après les rappels, après tout cet acharnement que vous avez envers les clients, que la personne ne paye pas? Oui, et c'est pour ça que nous décidons soit d'aller en voie juridique, ou si vraiment la personne ou la société a des grandes difficultés, nous mettons le dossier, ce que nous appelons un dossier de surveillance. Et pour, par exemple, pour une facture de, disons, 500 francs, est-ce que ça vaut la peine? Bien sûr. Pour depuis 100 ou 80 francs, ça vaut la peine. Ça dépend du volume. Si vous avez une créance de 80 francs, non, mais si vous avez 1000 créances à 80 francs, je vous laisse faire le calcul. Merci, M. Guay. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.